Cucu, on se retrouve dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je suis navrée de mon accoutrement là pour ce début de vlog. C'est bizarre là de filmer. Quoi? Parce que j'ai acheté en fait récemment trépied, perche à selfie et je le teste actuellement. Je suis plutôt contente du résultat. En fait, c'est le prendre comme ça dans les mains. Là, je peux marcher, tout ça. Bon, là, mon téléphone est branché. Est-ce que je regarde Toy Story 4? Je me suis refaite les trois autres. En ce moment, je regarde beaucoup de sur Disney+, parce que bah ça va pas trop. Bah, on va dire que ça me fait penser à autre chose. Je démarre ce vlog assez tard, puisque nous sommes... Vous avez eu l'heure et la date. On reprend bientôt le travail. Je suis... En fait, je sais pas trop comment le prendre, de reprendre le travail. En fait, pour vous dire, vu que ça va pas, je ne sors pas du tout, j'ai pas envie. Et voilà. Écoutez, je vais peut-être parler. Et puis, je sais pas quoi dire d'autre. Je vous dis à plus tard. Nous sommes dans Géant et ils sont en train de tout changer encore. Là, les croquettes sont ici. À la base, elles sont vers là-bas. Oh, c'est un peu chiant. Si, moi, ça me perturbe. Wow, le ménage! Regardez ça! Et les Andrés doivent passer par là. Je plaisante. Ah, c'est pas possible, on me fume pas, moi. Attention, vous êtes une célébrité. On vous saoule partout. Voilà, ça y est, se la pète maintenant. Oh là là, avec ton t-shirt. Cette démarche. Que tout le monde, on se retrouve plus quand, mais vous aurez l'heure et la date ici. Il est. Bah non, je viens de le dire. Là, en gros. Ah, attends, on dirait pas, mais je stresse. J'ai rendez-vous avec. Vous savez, pour suivi peut-être avec un psy. Là, j'ai rendez-vous d'abord avec une infirmière. Je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai peur. C'est toujours une appréhension que j'ai quand j'ai un rendez-vous. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Là, je suis trop contente. Donc, ça me fait un peu penser à autre chose là avant le rendez-vous. J'ai regardé le courrier comme d'hab. Et en fait, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai fait une commande en fait il y a. Ça fait combien de temps? 2 semaines. Pendant les vacances, je crois. Ou pendant, j'ai fait une commande parce que sur Colourpop. J'ai fait une commande il y a un moment donné. J'ai sorti une collection avec BTS. Pas vraiment BTS. Quand même, si vous savez, je vous avais déjà parlé il y a longtemps, BT21, c'est BTS, mais ils sont dessinés, vous savez, avec des petits personnages et tout. Et en fait, j'ai pris toute la collection parce que... Voilà, c'est BTS, quoi. Bon, écoutez, je vais vous laisser, je vous reprends dès que mon rendez-vous est fini ou sinon quand je rentre. Et puis, je vous dis à plus tard. Re-cucu tout le monde, on se retrouve, je sais plus quand, je crois que c'est le lendemain, je ne sais plus. Aller pour le ventilateur, mais là... Je viens de rentrer. Deuxième rendez-vous, c'est comme je vous avais dit, j'avais rendez-vous le 2 août avec une infirmière pour un suivi après psychologue, psychiatre ou je ne sais quoi d'autre. Et là, j'ai eu mon deuxième rendez-vous avec cette personne. Franchement, ça s'est super bien passé encore une fois. Elle m'a dit que c'était elle qui me suivait pour l'instant parce qu'elle part dans 3 semaines, elle s'en va. Donc je vais la voir elle pendant 3 semaines. Ce qui m'embête, c'est qu'elle est super cool. C'est chiant parce que... De prendre une habitude avec quelqu'un puis que cette personne s'en va, je trouve ça un peu dommage. Ce coup-là, j'avais dans l'idée déjà d'aller faire un tour dans... Bon, là-bas, je voulais faire 2 magasins. Je voulais aller à Stokomanie et Gémeaux. Je voulais en fait m'acheter 1 ou 2 hauts. Parce que je n'ai pratiquement plus rien. Je me saoule. En fait, la plupart des hauts que j'ai, c'est plus des pulls. On est en été, il fait chaud. Les trucs que je mets, bon, comme vous le savez, j'ai des t-shirts qui sont low comme ça. Mais le problème, c'est que je mets toujours un petit kimono, quelque chose pour mes fesses et tout, parce que j'aime pas. Là, j'ai rien trouvé à Stokomanie. En fait, j'ai fait que Stokomanie. Je suis allée quelque part toute seule, vous rendez compte, je suis rentrée toute seule. Il faut que quelqu'un soit avec moi, enfin André, etc. Ah non. Donc, je suis très contente de moi d'avoir fait ça. Ben, j'avais mon casque, je sais pas si vous êtes pareil, mais quand on a quelque chose dans les oreilles et tout. On se déconnecte de tout. C'est ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Les amis, on se retrouve quelques heures plus tard. Il est 18h38. Ma coupe, enfin ma frange, on va pas en parler. J'ai fait mon sport de la journée là. Longtemps j'avais pas autant marché, donc j'ai mal aux fites. Là je vous explique, j'avais acheté un truc sur Amazon. J'ai vu un TikTok. Alors oui, j'ai TikTok depuis quelques temps. Je vous le mettrai dans l'écran ou dans la barre de description. C'est une fille, alors je crois que je la suis pas, je suis pas sûre. Elle fait des, je sais pas comment on peut appeler ça, mais des sortes de milkshake, smoothie, on va dire ça. Du lait d'amande, du lait de noisette, avec de la Nutella, avec des machins bidules. Elle prend un mousseur à lait pour faire de la petite mousse de lait ou autre, ça dans un beau verre grand comme ça avec une paille en verre. Je faisais voir, j'avais acheté un coulis
qui a goût de, vous savez, la crème dans le Kinder Bueno. Et il s'avérait que je l'ai trouvé grâce à un commentaire sous le TikTok. Et c'est ceci. C'est la marque Nestlé, c'est Docello, parce que ça se dit comme ça. Et ça a la noisette et apparemment ceci aurait le goût de Kinder Bueno. Petite précision, ça coûte quand même, c'est pas donné. C'est la première fois, je crois, j'ai bien dit je crois, en nourriture que je mets un truc aussi cher. Ça coûte quand même 14,35€ ce truc. Mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas rien dedans. Ça pèse lourd quand même, 750 grammes, c'est pas rien. J'ai très envie d'ouvrir avec vous. Franchement, ça donne envie. On verra l'odeur, si ça sent le Kinder Bueno. C'est super. Pourquoi ils font pas des languettes? Ah, il y en a une là. J'ai rien dit. Déjà, ça a la même couleur. Vous savez quoi? Je vais pas le sentir. Je vais juste, pardon, faire voir la couleur. Regardez, c'est la même couleur. Ça sent pareil. Attendez. On va goûter là parce que ça serait un peu dommage. Ah ouais, c'est un petit goût qui diffère. Ah non, si, ça c'est pareil. Je crois que c'est pareil. Oh, oh punaise, c'est des radins. Oh, je suis choquée. Je sais pas si vous verrez. Non, si vous verrez, mais c'est pas rempli complètement. Regardez. Le sirop, il est là. Et toute la bouteille. Ça, non, je suis pas contente. C'est quoi ça, le Nestlé? Ça sent le Kinder Bueno. Donc, je suis bien pressée de faire des petites choses avec. Alors, je sais pas encore quoi. Mais en tout cas, voilà. Alors, quand vous l'ouvrez, vous avez... Ah ouais, ça, d'accord. C'est un petit... vous savez, comme les sauces, style ketchup, mayo. Ça, c'est bien. Donc, écoutez, je vais arrêter de parler. Ben, je vous dis à plus tard. Recucu, on se retrouve le lendemain. Alors, je suis navrée de la... navrée de ma coupe et tout. Mais en fait, j'ai nettoyé. J'ai commencé le nettoyage à fond dans la cuisine. Donc, voici ma tronche de cake. C'est pas grave. Alors, aujourd'hui, je suis très contente. Parce qu'en fait, j'avais fait une commande sur AliExpress. Oui, je sais, c'est mal. J'avais trop envie de commander ça. Je vous me dire, ah, tu fais un petit peu comme tout le monde. J'ai trouvé ça, j'avais trop envie, super bien emballé. Et j'ai pris en fait un lot de paille en verre. Oh, ils sont comme je voulais. Ah ouais, c'est vraiment du verre. Regardez ça. Ils sont comme la fille dans la vidéo. Ah ouais, c'est une sorte, je sais pas si c'est du verre, mais en tout cas, c'est une sorte de... Je demande à André, il y en a combien? 4 dedans. Et il y a un goupillon, ça c'est pas... Ah, il y en a 2 de goupillon en plus, parfait. Et oh là là. Oh, j'adore le bruit. Bon, je pense que vous le faites tomber, vous le cassez. En tout cas, aucune casse, aucune fissure. J'adore. Trop bien. Tiens, tu peux venir voir, Agile. Et la fille, quand je la vois faire sa... C'est frapper machato, je sais pas quoi. Elle retire sa paille comme une bourrin de son verre. Et je me dis, punaise, elle va le casser. Regarde. J'aime bien, c'est... Bah, mais pas ça dans ta bouche. Le deuxième, normalement, c'est... là, j'ai pris une... Bah, il y a une paille encore. Ah, elle est comme la fille aussi. En fait, elle a 2 pailles différentes. Elle en a une... bah, comme ça, là. Comme je viens de vous faire voir. Et elle en a une avec... ouais, voilà, avec le bout tordu. Puis je lui ai mis un peu bizarrement, là, le... Pion, il est encore plus fin. Oh, j'aime trop. Tout petit peu plus fluide. Ah, je crois que tu mettais ton doigt sur ma fossette. Regardez. Non, c'est là. Elle est plus fine. C'est vraiment du verre. Bah, jette par terre, tu vois. Non. On a... Bah, tiens. Pas du tout. Ah, il y a plusieurs styles de verre, alors. Oui, quand tu dis cigarette électronique. Ah, ça, ouais, c'est vrai que ça... Je sais pas trop. Et là, normalement, nous avons la petite jarre qui va avec. La jarre, en fait, elle est toute simple. Mais je me suis dit... J'ai plein de jarres, vous le savez. Ou pas. Si ou quand vous me suivez depuis très longtemps. J'ai plein de jarres différentes et tout. Qu'est-ce que tu fais? Celle-ci, en fait, bah, vu que ça fait un peu pareil que sur ces TikTok, je me suis dit, allez, arrête! Je me suis dit, allez, bordel de huc! Je me suis dit, oh, ouais, c'est carrément ça! Et le truc, c'est simple comme bonjour, j'adore. Il est pas assez grand pour faire mes trucs, parce que, regardez, c'est trop mignon! Et elle prend ce genre de truc pour faire ses... Ouh, ça sent bizarre. Pour faire ses machins, mais là, vu la taille, elle, il est un petit peu plus grand et elle fait des gros machins, ça, des tailles. Ah non, ça rentre pas, celui-là, il rentre pas dedans. Non, je suis triste. Ça va être très instagrammable, youtubeuse, tiktokeuse, tout ce que vous voulez. N'importe quoi. Je suis très contente, franchement, très bonne qualité. C'est un verre un peu presque plastifié. Bah, ça fait trop flippé que je peux faire comme ça. Mais regardez la taille, le machin. Il me faudra en fait un verre aussi gros que ça. Il va falloir que j'aille regarder ça. Mon père m'appelle. Bon, écoutez, je vais arrêter de parler. Puis je vous dis à plus tard.
Cucu tout le monde, on se retrouve je ne sais combien de jours après. Vous aurez l'heure et la date, comme d'hab, dans l'écran. Pas filmé parce que j'ai pas trop eu envie. Aussi parce que j'ai eu un peu de mal à mettre mes vidéos, enfin mon dernier vlog en ligne. Donc là, je suis très contente parce que j'ai reçu un colis. J'ai fait une commande sur le site Madame. N'importe quoi. Oh, attendez, je ne sais plus. Belle boucle. J'ai des cheveux bouclés, je pense que vous le savez tous, n'est-ce pas, depuis le temps. J'ai pris ceci, un masque capillaire de la marque Avril. Alors je connais de nom, je pense pas avoir déjà eu des produits. Je sais même pas s'ils ont du maquillage. Cette marque me dit un truc. C'est un masque capillaire au beurre de mangue bio, nourrit, assoupli et démêle les cheveux. Il était très bien noté et il était pas cher. Je crois qu'il était dans les 7 euros. Ça reste cher, mais pour moi, ça allait encore. Un point comme ça, les secrets de Loli. Donc je l'ai pris pourquoi? Parce que c'est pour hydratant et anti-pelliculaire. Chevelu sensible. Actuellement, il est sensible, à savoir aussi que j'ai des petites démangeaisons. Pas forcément que la tête, mais sur certaines parties du corps, la tête, et ça me saoule. En ce moment, du fait que ça va bof, bah ça me le fait sentir. L'après shampoing, voilà. Et vous avez pu vous constater que c'est quand même. Assez grand. Par contre, je comprends pas pourquoi le shampoing est plus petit que l'après-shampoing. On a un hair primer sans rinçage. Donc ça, elle a dit qu'elle l'adorait. Donc les secrets... la petite Gabi, pardon. C'est ça, et pour les boucles et tout. Donc je suis très content, enfin très pressée de tester ça. Bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Une prochaine vidéo.